Quelle magnifique journée. Bon, je t'explique le plan. Toi, tu fermes ton bec et tu obéis. Non, 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 toi, t'arrêtes de me commander. Je suis pas un môme. Je sais très bien quand je dois me taire. S'il y a bien une chose à casser... Et toi, le capitaine va nous entendre. 8271, 8272, 8273, 8274. Qui compte son fromage le matin éloigne le médecin. 8275. La section 11. Malédiction, on a été dévolisé. Tout fromage de la section 11 a disparu. Rapido. Eh oui, la voix de Bruce Willis en français, c'est moi. J'ai aussi doublé Gérard, Gérard Depardieu. On est devenus très potes, lui et moi. Un talent incroyable et pas du tout la grosse tête. Un bon vivant comme moi. Mais je fais pas que ça, je réalise aussi des films d'horreur. Tiens, je t'aurais bien... Alerte de génial. Aïe. Tout le monde sur le pont, on a été volé. Tiens, tiens, t'as encore besoin de moi, mon petit Rasmo? Rapido, on est mal. Des voleurs mal intentionnés nous ont volé la section 11. C'est une catastrophe, un désastre. C'était notre plus grande crue. Mais calme-toi, inutile de speeder, tu vas te griller un neurone. T'as sûrement mal compté. Écoute-moi, je te dis que le fromage s'est envolé, et pas tout seul. Si tu m'aides pas à le retrouver, on va faire une carence en calcium. Les voleurs! Tais-toi! Ferme-la! Il se pourrait bien qu'on nous surveille! Hé? Hey, tu te caches de qui, là? À ton avis! Laisse-moi deviner, une loutre a craqué pour ton petit corps? Je mets des miens en embuscade! On sait jamais si les voleurs sont encore là! Raz, mon pote, je crois que tu deviens complètement parano. Peut-être que t'en sais plus que tu crois. Je sais que tu sais. J'ai peut-être pas cherché au bon endroit. Peut-être que le renard est toujours dans le cellier. Je vois, ça y est, j'y suis, ça crève les yeux. C'est une bloc de bouffon. J'étais aveugle. Mais là, j'y vois clair. Tu me rassures, chouchou. Très drôle. Alors, où est-ce que tu l'as caché? Quoi? La section 11. Oui, exact, la section 11. On progresse. Les meules qui ont disparu. Tu sais bien, ta petite plaisanterie fine de cacher le fromage. Je comprends pas un traître mot ce que tu me dis. J'adore ton sens de l'humour. Bon, allez, dis-moi, où est-ce que tu l'as planqué? Désolé, vieux, j'ai rien planqué. Bon, d'accord, on a bien ri. Tu l'as planqué où? Je t'en supplie, ne me fais pas tourner en bourrique. C'est vital, j'en ai besoin pour mon équilibre intérieur. Tu comprends? J'en peux plus. Arrête ce jeu stupide. Je sais que c'est toi le coupable. Je t'ai démasqué, mon gars. Arrête ton baraton, espèce de fou, de kleptomane fromagé. Tu n'es qu'un traître, un scélérat, un faux frère, un voleur de fromage. Puisque c'est ça, tu peux toujours courir. T'en auras plus un gramme, non, monsieur, rien du tout. Pas tant que je serai là pour le surveiller, le protéger de la racaille, des malhonnêtes dans ton genre. Excuse-moi, vieux, mais là, j'ai plus trop le temps d'écouter tes élucubrations. Un conseil, va prendre l'air, t'es trop dans la cale. Marche d'un pas léger, Rapido, car le vaillant Rasmo restera sur le pied de guerre tant que le cerveau criminel, le cher fasciste fromagère, ne sera pas mis hors d'état de nuire. Moi j'ai lu cubre. Eh ben c'est ce qu'on va voir. Je vais vous l'amener l'enquête. J'irai jusqu'au bout. Et pas de quartier. Jusqu'à ce que justice ou fromage soit fait. Katia, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tais-toi, imbécile. Tu charges le fromage si c'est pas trop compliqué pour toi. Et le plus important, tu la fermes, capiche? Mais tu sais, c'est beau le formaggio. Je t'ai dit de la boucler. Tu la mets en veilleuse et moi, j'établis le contact avec les autres. Pizzaiolo à Cheese Connection? Pizzaiolo à Cheese Connection, vous me recevez? À vous! Ici Cheese Connection, vous avez le pognon, répondez. On a le pognon si vous avez le fronton. On a le fronton si t'as le pognon, bouffon! Toi, tais-toi, tu leur ouvres la cale! Je suis pas ton larbin d'abord, alors arrête de me commander! Lumière!
Voilà, fromage. Maintenant, envoyez la monnaie. Oh, les crapules, je les tiens, ces infâmes voleurs de fromage en série. Je parie que ce sont les complices de Rapido. Faut que je prévienne le capitaine, vite. Oh, il dort encore, les galères. Rasmo, au travail. Il est temps de se débarrasser une fois pour toutes de ce vaste réseau de trafiquants de fromage. Et du tac au tac, j'ai répondu à Schwarzenegger. Un homme de votre classe ne devrait pas vivre dans un igloo. Canaille. Frimeur, à la rigueur, mais je n'irai pas jusqu'à dire que Schwarzy est une canaille. Toi, Rapido, c'est de toi que je parle, Rapido. Naturellement, tout le monde parle de moi. T'imagines même pas à quel point tu me déçois. Il faut toujours qu'il en fasse des tonnes, lui. Plus à gauche, abruti! Vas-y, braque-bababa! À gauche, j'ai dit! Bientôt, Svetlana pourra rentrer au pays et s'offrir Saint-Pétersbourg. Et Benny pourra aller aux États-Unis et s'offrir plein de hamburgers. Mamma mia, qu'est-ce que c'est que ça? Un piège à rat supersonique, hein? Il peut pas causer comme tout le monde! Et 1 à 0 pour Rasmo, l'Asdic! Joli cœur, à part un autre service, tu me reçois? Je ne comprends pas, ma biche. Il doit bien être passé quelque part. Alors, pas de problème, Rapido est là. Alors toi, je te laisse 5 minutes et t'en profites pour faire la sieste au milieu de la route. Il y a toute une armée de petits Rapido qui se font la malle avec le fromage. Le fromage est en danger. Il y a des petits Rapido partout. Extermination. Protection du fromage. Prends ça. Et ça, et ça. Ça va mieux, tu te sens bien là. Alerte d'un Rapido géant. Il faut que je l'arrête. Un dératiseur manuel parfait. Tu peux pas t'en tirer comme ça. Je vais te montrer ce qu'il en coûte de me piquer mon fromage. J'en ai encore là. Décidément, c'est une idée fixe, hein. Mais ça là, hein, tu peux m'expliquer ça? Ils embarquent tout notre fromage. Voilà votre pognon. Le fromage, une bande de truands nous pique notre fromage. Et maintenant, qui c'est qui voit des petits voleurs dans sa tête? Un plan, vite, il nous faut un plan. Attends, le ventilateur est en marche. À vos ordres, capitaine. Plein gaz, on dégage. 2 secondes, il faut que je coupe le câble. Merci beaucoup, toi aussi, bonne chance. Attends. J'ai coupé le mauvais câble. Oui. Allez, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi, fonce. Et si vous passez un beau jour à Saint-Pétersbourg, surtout ne cherchez pas à me voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un problème. Je vous interdis de me toucher, sinon... Ouais, vous allez faire quoi sinon? J'ai horreur des menaces! Je retire mon offre! Et moi, je reprends la marchandise! Non, surtout pas, gardez le fromage! Merci, on va se gêner! C'est ce qu'on va voir! Et c'est parti, Brown! Gauche droite! Se défend bien, disons, costaud de la petite, hein! Tu m'étonnes! Rendez le fromage! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi! Mais t'as le cerf volant! Pourquoi t'as repris la marchandise? Il a touché Svetlana!
Personne ne touche Svetlana. Arrivederci, bande de parmesan. Hey vieux, navré d'avoir douté de toi, t'es pas fâché au moins? Oh, tu rigoles ou quoi? Si on se faisait une petite rangée de fromage. Rapido, tu sais que t'es un mec bien. Ouais. Et on a la valise des dollars. T'inquiète, on mange un morceau et je retourne les corriger, moi. T'es sûr, trop rapido. Oh, ce maudit moteur me fait encore un caprice. Oh, je ne comprends pas, ça fait 5 fois qu'il cale. C'est bon ça! La vache, les vibrations, ça me fait des frissons partout, j'adore! Maintenant, si monsieur le moteur veut bien se donner la peine de travailler! Vite! Je retourne à ma place! Oh, quoi encore? Ça y est, je suis prêt! Envoie la sauce! Pourquoi il refuse de démarrer? Hein? Oh non, c'est la panne sèche! Je vais prévenir les capitaines! Mais... À la galère! On a vu le carburant! Compagnons de la mer, capitaine Salami, pétrole et compagnie. Et vous n'auriez pas du carburant trop par hasard? Parce que là, on a, plus du tout de carburant. À sec en pleine mer? Ah bravo, vous êtes très fort. Je vais vous dépouiller. Oh, non, je voulais dire dépanner. Aide-moi, aide-moi, s'il te plaît. Je vais mourir avec les vibrations du moteur. Attends, arrêtez, c'est comme du Mozart. Y'a plus une goutte d'essence. Je parie que c'est un coup de Svetlana. Je sais qu'elle me déteste. Il me faut ma dose de vibrations. C'est vital, sinon je vais mourir. Tu devrais prendre un bon bain jacuzzi. Il n'y a rien de tel contre la fatigue et le stress. Excellent, excellent, je suis sauvé. Alors, c'est pas royal comme sensation? Oh, oh oui, oh, 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 ça fait des bulles encore, encore, encore. Oui, oui, plus fort, plus fort. Explosez mon moteur! Tranquille, je vais te réparer ça, on n'a rien de temps, c'est bon. C'est quoi ce truc? Quelle horreur! Un vieux grippin recyclé! Moi, je touche pas à ça, moi! Mais je sais, j'ai trouvé! Je vais fabriquer un nouveau moteur! Un moteur encore plus puissant! Ben voilà, j'ai plus qu'à balancer ce truc-là. Maintenant qu'on est débarrassé de cette camelote, passons aux choses sérieuses. Manœuvre de ravitaillement! Préparez-vous à recevoir le carburant! Apprête-toi à découvrir le tout nouveau moteur turbo de ton jacuzzi.
La vraie prouesse de conception consiste en la mise en pratique de la théorie de la vibration ricochet. Théorie que j'ai moi-même inventée et qui stipule que lorsqu'un son est émis à travers une série de chambres de réverbération, il crée une dynamique de résonance, oui monsieur. Gagnant de la vitesse, le son en atteignant le jacuzzi fait le tour de la baignoire et accumule des vibrations. Puis, par un effet de ricochet, le larsen rebondit dans les chambres de résonance où tout s'amplifie et se multiplie. Cette réaction en chaîne se répète à l'infini, produit un effet visuel hallucinant et propulse l'occupant du jacuzzi au nirvana. Le mouvement perpétuel, c'est la plus grande invention depuis la brique. Alors, eh ben c'est moi qui l'ai inventé. Le souci, c'est qu'on n'a pas une goutte d'essence. On n'a pas d'essence, pas de jacuzzi. Mais reconnais quand même que c'était excellent comme idée, non? Viens par là. Ah, je te vois venir. Tu veux me faire du mal? Tout ça parce que t'as pas eu ce que tu voulais tout de suite. Je veux... Tes mots dépassent de pensée. Je reviendrai quand tu seras calmé. Rasmo, reviens là tout de suite! Non, j'entends rien. Désolé, j'entends rien. Oh, tu sais, c'est doux. C'est chaud, aussi soyeux. J'adore. Ah, une fouine! Run, 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 run! Oh, démarre. Vol, j'ai cru ta tempe, décolle. Hé, Laura, comment on décolle avec ça? Comment ça marche, ton truc? Rapido, au secours! Y'a une fouine, y'a une fouine! Alerte jaune, y'a une fouine à bord! Bien sûr, et le moteur du jacuzzi, je vais l'atteindre longtemps? Il faut se cacher. Quand est-ce que tu remets le moteur en marche? Le fromage est en train de durcir, moi. Une fouine! Il est passé où, le petit gros? Il est dans le placard. C'est pas moi. Au secours, à l'aide! À l'aide! Accroche-toi, vieux! Rapido, attrape ma main! Tu vas lâcher la porte, oui! Non. Voyons, vu la taille de Rasmo, il va falloir à la fouine au moins 20 secondes pour le bouffer. Ce qui me laisse tout juste 20 secondes pour me tirer d'ici! Ne mangez pas, madame! Mais c'est pas du tout mon intention. C'est vrai? Alors je peux y aller? Non! Tu vas d'abord m'apprendre à faire décoller cet engin! Grâce à toi, je vais enfin pouvoir réaliser le plus grand rêve de ma vie! Qu'est-ce donc? Voler! Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? On va parler, c'est tout. Merci beaucoup. Je veux voler, décoller, atteindre les cimes éternelles. Allez, envole-toi. Il faut que je me cache avant que la fouine revienne. Je veux voler. Oh, je vole. Oula, faut pas que je traîne ici. Ça décoiffe. Non. Waouh, pile là où je voulais atterrir. Là ici, elle viendra pas me chercher, la folle. Mais... Et ça nous fait donc un total de 1 000 000 d'euros et 35 centimes. 1 000 000, diable, mais regardez-moi bien, vous vous payez ma tête? C'est le prix. C'est un scandale, capitaine, vous êtes un voleur, un pirate de la pire espèce. Oh oui, j'ai honte. Passez-moi les billets. Bon, ils ont fini, on devrait plus tarder à lever l'ancre. Alors, je veux bien t'accorder encore une chance, petit, pour me faire décoller, mais... Attention! Impossible, vous êtes trop lourde pour la rade-bord. Mauvaise réponse! Je veux voler! T'es sourd? Mais bien sûr, j'ai trouvé!
Puis-je vous présenter le tout dernier modèle de Jacuzzi? Avec son système de vibration ricochet intégré, vous serez au top de la turbo-attitude. Sensation garantie. Ouais, j'achète. Je veux bien l'essayer, ton truc. C'était un plaisir de vous rendre service. Oh oui, tout le plaisir était pour vous, Salami. Bien, il est temps de repartir en quête d'autres pigeons marins. Décolle, allez, décolle! Bon voyage, Denise! Décollage dans 2 minutes! C'est que vraiment n'importe quoi, une fouine. C'est bien la dernière fois que j'oublie d'emporter mon jerrycan. Y a rien à dire, dès que je calcule, je tombe pile où je veux. Hein? Attends, je suis pas d'accord là. Youhou! Les vibrations, oui, c'est bon! Des outils. La clé. Ha ha. Hey. La prochaine fois, j'aimais pas une tapette, mais une guillotine. Hey, toi là, qu'est-ce que tu fais devant mon atelier secret qui est secret? Je veux pas te voir ici pendant que j'élabore mon nouveau prototype de rat-bord, t'as compris ça? Allez, tu dégages. Un nouveau prototype de rat-bord? Ah non, mais ça, mais où tu l'as mis? Où tu l'as mis? Je veux le voir. Hey, c'est une zone interdite ici, ok? Non, alors tu l'as pas mis là, il est ici peut-être, fais voir. Non, tu l'as pas mis là. Alors dis-moi, il est, s'il te plaît, dis-moi. C'est pas ici, je te jure, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y aurait un petit peu sous ce drap? Ah, vas-y, mâche bien, c'est comme du réglisse. Ah! Ouah! Oh la beauté, mais elle est magnifique! Oh, j'ai jamais vu d'eau si belle, elle est magnifique! C'est une ferambouguini, ça, je les reconnais, elle est rouge comme moi! Ouah! Merci, merci Raz, merci, ça me fait beaucoup trop plaisir. Ok, maintenant tu dégages pour de vrai. Au fait, la X-Board est à moi, voilà. Ouais, jusqu'à que tu la termines, après, elle sera à moi. Bientôt, avec la X-Board, je serai absolument imbattable. Je vais de ce pas l'annoncer au monde entier. C'est moi, le plus rapide, le plus fulgurant. Je suis le roi de la galaxie. Personne n'est aussi fort que moi. Ah ouais, on parie. Hey, retourne chez ta mère, petit. Je joue pas avec les débutants de ton genre. Je parlais d'une super course avec des super bolides. Je relève le défi. Quoi? M'oblige pas à te faire du mal. Tu me fais pas peur, petit. Looping, c'est mon nom. De la voltige, je suis le champion. Je m'appelle Rapido. On me surnomme l'As des As. Alors bouge de là si tu veux pas que je t'efface. Tiens, ça rime. Les présentations étant faites, prépare-toi, ça va être ta fête. Rapido, ne m'oblige pas à me mettre en colère, hein! Rapido? Ma parole, tu es splendide.
T'as l'air d'une vraie gravure de mode. Ligne italienne classique, chaussures à talons compensés, mais j'adore! Costume sur mesure! Rapido, t'es beau comme un avion. Je crois bien qu'il y a erreur sur la personne. Si c'est au minable que tu veux parler, il est derrière moi. Raz, il va falloir que tu nous départages avec une super méga compétition. Mais, quelle sorte de compétition? Eh ben, une course de vitesse et tu feras l'arbitre. Mais c'est une excellente idée. Une course de vitesse. Attendez une minute. Une course en sac? Non. Une course de manger des spaghettis? Non. Alors une course de ballon sauteur, c'est ça, hein? Non, un concours d'engins à moteur, tu comprends? Ouais, et je vais te battre. Ça, c'est ce qu'on va voir. Accrochez-vous, les gars. Surprise. Eh ouais, c'est pas une mallette. Eh oui, c'est mon petit bijou préféré. Pas mal, n'est-ce pas? Deux secondes, il faut qu'on discute. Donne-moi le prototype tout de suite. Non. Mais j'ai besoin de ta X-Board, c'est une question d'honneur. Il m'a traité de minable, tu comprends? Il faut que je gagne cette course. M'en fiche pas mal que tu gagnes ou que tu perdes. Mais tu comprends rien au coin. Ce type a directement insulté ton intelligence. Il a dit que ton super bolide était incapable de battre le tristique de Hitler. Ah ouais? Il dit ça? Il a dit ça quand? Vous avez peur d'affronter le grand Looping? Vous préférez déclarer forfait, n'est-ce pas, bande de poules mouillées? Alors on fait quoi? Je sais pas trop. Ok, vas-y, c'est bon. C'est la course du siècle avec Looping dans sa méga-board et Rapido dans la toute nouvelle X-Board. Moi, Rasmo, mécanicien de génie, je vais vous commenter cet événement exceptionnel. Bon, quelques mots sur le parcours avant de débuter. Comme vous voyez, ça commence par une ligne droite dans le conduit d'aération. Ensuite, on enchaîne dans une chicane qui débouche dans une sorte de cargo. Bien sûr, le parcours n'est pas sans quelques obstacles, comme Benny le furieux lanceur de couteaux. Ou encore le célèbre montagne russe qui a la force de tout un régiment. Et pour prouver qu'ils ont réussi à franchir cet obstacle, les concurrents rapporteront cette magnifique clé anglaise qui viendra compléter ma collection. Maintenant, sans plus attendre, place au sport, place au génie, place à la course, prêt, feu, partage! Ça va être la balade. Waouh, Looping est parti comme une fusée. Rapido se traîne à l'arrière, c'est incroyable. Mais ça va pas ou quoi la tête? Arrête de dire n'importe quoi. Mon ami, on se connaît à peine. Hey, espèce de sale tricheur, tu t'en tireras pas comme ça. Tu vas finir haché dans la soupe! C'est pas bien de manger les poubelles. En plus, ça fait très 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 mal aux dents. Oula la la la! Incroyable! Looping revient dans la course, c'est fantastique! Va-t-il réussir à reprendre la tête? Aujourd'hui, nous ressemblons à la superstar Sylvester Stallone. Sylvester? Sly, comment faites-vous pour avoir tous ces muscles? Détourner Rapido avec des émissions débiles, c'est interdit, je vous le rappelle. Hey, Looping! Je voudrais bien prendre une photo. Tu permets deux secondes? Loop, fais attention parce qu'il y a un ventilateur là, juste là. J'avais dit. Je voudrais pas te déranger, mais il y a une course à gagner en fait. Hey, on s'intéresse à des trucs des fois. Yeah! Oui! J'ai gagné! Yes! Oh, non. Pousse-toi de lave, là, le super mixer! Hey! Oh!
À moi la clé anglaise, à moi la victoire. La clé anglaise, je vais gagner. Espèce de sale tricheur. Moi et même en piège, tu vas adorer mes semelles. Et rapide de plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Allez, vas-y, rapide. Rends-moi cette clé. Cette clé est à moi. Non, elle est à moi. Non, à moi. À moi. À moi. À moi. À moi. Aïe, 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 mais quel combat, mes amis. Le suspect est à son comble. Qui arrivera le premier? Ce n'était que la première manche. Mais ouais, c'est ça, allez, casse-toi, ouais. Salut. J'aurai ma revanche. Je suis imbattable. Attends, tu plaisantes, j'espère. Non mais attends, tu plaisantes, c'était ma Xbox qui était imbattable. Toi, t'aurais jamais gagné sans elle. Et maintenant, elle est toute cassée. T'es plus mon copain désormais. Je m'en fiche que je sois plutôt copain, j'en ai pas besoin. De toute façon, je suis le meilleur. Bien, 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 bien. Et par contre, si tu fais une Xbox ou deux un jour, je veux bien être le premier à l'essayer. Cours, tu jures? Bon, alors si t'es d'accord, on se voit lundi. J'ai promis au capitaine de faire un méga soufflé au fromage. Il me faut du courant. Svetlana, t'es où? Ce moteur de l'air spatial est propre et simple à utiliser. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus lorsque vous verrez avec quelle efficacité ces bébés fonctionnent dans n'importe quelle condition. Ah, c'est qui ce petit bonhomme avec la soucroute sur la tête? C'est juste un petit bavard qui veut tester un nouveau moteur sur le cargo et moi je l'écoute mais je suis pas d'accord. Ce n'est pas qu'un simple moteur, c'est le turboréacteur à fromage. Laissez-moi seulement l'essayer sur votre beau bateau, vous ne le regretterez pas. Comme j'ai dit, pas d'accord. Attendez! Ne partez pas, je suis disposé à vous verser une somme coquette de quoi vous offrir plein de coquetteries. Vous avez fait le bon choix, je vous félicite. Décidément, on blablate et on perd du temps, alors que la solution est toujours la même. Et voilà, ouvrez grand vos mirettes et contemplez cette merveille de la technologie. Alors, qu'en pensez-vous présentement? Bah, il est tout petit. Nom d'un ragondin, qu'est-ce qu'ils ont fait de toutes les machines? Il n'en reste plus une seule. Oh mon dieu, ils ont piqué tout notre parcours d'obstacles. Au moins, il nous reste la soute à fromage. Le dernier arrivé là-bas est un abruti total. C'est toi l'abruti total, ouais. Ce moteur très économique consomme uniquement du fromage. Avec l'aspirateur turbo branché directement sur la soute, pas besoin de se déplacer. Total. Et maintenant, place à la science avec les doigts. Capitaine, comment vous trouvez notre nouveau moteur? Oui, eh bien ça me rappelle le bon vieux temps, ma petite fille. Lorsque j'étais jeune et plein de fougue. Oh,
Rompez. Rapido, ramène-toi, faut qu'on aille voir le nouveau moteur. Ah, mais quelle merveille. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ouais. Wow, trop classe, on peut se voir dedans. C'est tellement soyeux. Oh, ça rappe le fromage en plus. Hey, je pourrais me faire le même sur ma rackboard. Ouais, et pour moi aussi. Tu trouves pas que ça sent un petit peu bizarre? Le fromage brûlé. Comme un carburant. C'est la fin, ça y est, c'est la fin. Rasmo, mais qu'est-ce que tu fais planter là? Vite, dépêche-toi, faut sauver notre fromage. Rasmo, on n'y arrivera pas, faut qu'on arrête ce monstre. Oui, t'as raison. Tous mes bons fromages qui s'envolent. Elle est bien. Rapido, tu m'as sauvé la vie. Je n'irai jamais sans toi. Dis donc, j'ai failli me salir, moi. Tintin, j'ai l'impression que par hasard j'ai trouvé le poste de contrôle. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à trouver comment ça s'arrête. Ah, un jeu vidéo. Alors ça c'est marrant. On dirait un rapido, c'est trop marrant. Waouh, comment il est classe ce jeu. Ah, je suis trop bon. Ils sont forts ces japonais, il est bon. Il est trop bien ce jeu. Attends, j'hallucine. Oh, le bon petit rapido, il en prend plein la tête, la parole. Aïe, oh, aïe, ouais, oh, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai rien, même pas mal. Super. Allô, t'es, j'y crois pas, hein. Rasmo. Bah super, t'es content, tu m'as fait perdre ma partie, hein. Je te signale que pendant que toi, tu faisais le faux athlète, moi, j'essayais de sauver la situation, ok? Rapido, nous sommes dans le poste de contrôle, au cœur de la machine. Rasmo, mais dépêche-toi! La moitié du fromage s'est déjà presque tout envolé! Mais chut! Le fil jaune est coupé après le fil bleu. Oh, je m'embrouille! Mais bien sûr, tu t'embrouilles, mais attention, ils vont bientôt attaquer ma moitié! Ah, laisse-moi faire! Un peu de vaudou n'aura jamais fait de mal! Va me chercher du poulet et de l'eau chaude! Dieu des mécaniciens et des électriciens, entre-moi! Je prends les fils jaunes, les fils verts. Et voilà! Oh, grand prêtre, où s'arrête ton pouvoir? Chut, tais-toi et écoute! Fabrique des fromages. Oh mon Dieu, mais c'est insensé. Rapido, si mes calculs sont exacts, nous sommes en train de produire assez de fromage pour faire la distance Paris, Lune, New York en gorgonzola. Le moteur s'est arrêté. Ah, j'ai inventé une machine intelligente capable de produire du fromage à partir de l'air. Ah, c'est bien que vous soyez là, je viens de faire mes comptes. J'ai calculé le coût de production du nouveau fromage.
Si je soustrais la somme que je vous ai déjà versée, vous me devez encore 250 000 billets. On se calme, mon joli. Bien sûr, j'accepte les cartes de crédit et vous pouvez régler en plusieurs fois. Offre bien entendu soumise à condition et sous réserve d'acceptation. Je les soupçonne d'avoir voulu nous embrouiller. J'aurai la peau de cette machine sur mon honneur de samouraï. Bravo, Benny! T'as stoppé les carnages! Ah, j'aurais dû m'en douter, c'était trop beau pour durer! Ah, les vandales, ils vont me le payer! Attends, le moteur, s'ils s'en servent plus, on est peinard, nous on le récupère! Comme ça, on le monte sur nos radboards et on ira super vite comme un hélicoptère. Parfait, aide-moi, c'est le moment. Qu'est-ce que t'attends? Allez, faut qu'on le transporte dans mon atelier, allez. 6 tonnes de ferraille à deux? Bah oui, bien sûr. Pourquoi tu rajoutes pas une tonne? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous allez regretter de vous être moqué de moi. Ah, mais tant pis, il sera que pour moi le moteur et je serai le plus rapide. La prochaine fois, vous ferez moins les malins. Benny, on a intérêt à tout ranger avant que le capitaine ne voie les dégâts. Non mais quoi, quels dégâts? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi on n'avance plus? Tu vois? À cause de toi, il reste plus rien, il reste plus que ce bout de tuyau. Eh ben la prochaine fois, t'auras qu'à vérifier qu'il n'y a pas d'antival avant de piquer quelque chose, patate. Ah ouais, patate, moi, patate, toi. Rasmo, ça faisait au moins 6 tonnes. Et alors, 6 tonnes, j'ai déjà soulevé une fois, j'ai soulevé ta mère, rappelle-toi. Attends, tu veux rire? Attends, ils sont où les ricochets? T'en as compté combien? J'en ai rien, j'ai vu rien, zéro! Bah vas-y, si monsieur peut mieux faire. Ouais, j'ai gagné! Ricochet, à zéro! Ça, c'est le cargo. C'est sur l'eau qu'il faut que ça ricoche. J'en ai mal à la tête tellement je suis content. Un ricochet, c'est un ricochet, hein. J'ai hâte de voir la tête que fera le capitaine quand il verra sa surprise. C'est son plat préféré. Il va se régaler. Une huître! T'as vu, j'ai trouvé une huître. C'est génial pour faire des ricochets, ça. Sors tes jumelles, rapido, regarde comment je vais la jeter. Hein? Une boule de bowling. Je vais pouvoir lire l'avenir de une seconde. Je l'ai vu le premier. Alors lâche ça, c'est une boule de bowling, t'y connais rien. C'est la champion 3000, elle est faite pour moi. Une boule de pro, elle est classe de chez classe. C'est la boule de chez boule. Mieux, ça n'existe pas, elle est à moi. Elle est pas qu'à toi, elle est à nous. On l'a trouvée ensemble, tous les deux. Moi je dis qu'on doit la partager. Elle est où? T'as vu le ricochet? Quinze jours qu'ils complotent dans mon dos. Je serais curieux de savoir ce qu'ils ont derrière la tête. M'étonnerait pas qu'ils préparent une mutinerie. C'est pas un vieux loup de mer comme moi qui vont la faire, qu'ils y viennent. Je vais les recevoir. Sans combattre. Joyeux anniversaire. Non mais quand je vois un aussi beau gâteau, je ne résiste pas, je le découpe tout de suite. Va falloir que je recompte mes doigts, je suis pas très sûr.
Ça, vrai, le gâteau, c'est une belle tradition de la marine. Capitaine, moi et Beignon vous offrons ces quelques huîtres et cette petite surprise. Oh, un gâteau, mais c'est formidable. Des huîtres, un gâteau surprise, à moi. Mais voyons, il fallait pas. Vous êtes très renseigné. Comment avez-vous su que je suis grand amateur de golf? C'est facile à deviner, vous arrêtez pas de nous saouler avec vos souvenirs, le degré. Oh, quel club bien équilibré. De ce côté. Alors, où est-il ce parcours de golf? Vous allez vous régaler, capitaine! C'est un mini-golf géant, entièrement fait en fromage à trous! Ouais, bah d'ordinaire, je ne joue que les 42 trous. Mais c'est pas grave! Svetlana, attention, mais il faut pas rester derrière! Excusez-moi, capitaine! C'est la dernière fois, les champions de golf ont besoin d'avoir de l'espace pour évoluer. Donnez-moi une balle! Oh, les balles! 3 douzaines, on en a commandé, mais elles sont toujours pas arrivées. Ouais, 100 balles, c'est nettement moins amusant. Ah, ah, oh, c'est de la balleuse! Oh, les boules, ils m'ont piqué ma boule! N'importe quoi, ils jouent au bowling avec une canne, mais j'ai jamais vu des nuls pareils! Capitaine! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hé, oh! Je te demande une idée, pas de pleurer! Je pleure pas! Ça vient de juste derrière moi. Vous m'avez volé mon père, l'espace de voleur! C'est toute ma vie qui s'écroule! Jamais je ne pourrai en faire une aussi belle! Une perle? Comment ça, une perle? Elle dit que c'est pas une boule de bowling. Mais depuis quand tu crois à les mollusques, toi? Tu sais très bien que c'est les rois des menteurs. Hey, Raz, écoute, je te laisse papoter avec l'huître et moi, je vais récupérer la perle, la boule. Je suis fier de toi, comment je suis fier de toi? T'es vraiment trop génial, ça je savais. Wesco! Quel joli coup! Oh, je l'ai! Oh, jamais je ne la récupère! C'est horrible! Ma vie est fichue! J'ai plus qu'à me recycler en moule! Oh, je n'oserais plus sortir de ma coquille! Tout est parfait, j'ai conservé mon swing. Je l'avais, elle était là dans mes mains, je l'avais. Alors Laura, tu l'as? Ma perle, rattrapez ma perle. Bah alors, où ils sont passés? C'est tout. Te presse surtout pas, ça se fait pas de faire attendre les dames. Au contraire, mon petit Raz, il faut savoir se faire désirer. C'est l'autre mollusque qui me tombe dans les bras. Mais oui, j'ai trouvé une super idée.
Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que la bouboule rentre à la maison. Allez-y, avant-dernier trou, capitaine! Regardez comment j'ai gagné mon premier trophée en 1912. Alors, vous l'avez, ça y est. Évidemment, ma petite huître. Vas-y, rapido, tu lui rends. Oh, ma boule de bowling. Rapido, tu reviens ici tout de suite. C'est bon, j'ai la boule, je vais être le premier rat champion de bowling. Te voilà, ma baballe. Hein? Ischia! Alors là, c'est très fort, capitaine. Ah oui, 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 c'est très, très fort. Allez, on arrête de rigoler. Tu me donnes la perle, tu l'as cachée où? Hein? C'est quoi ce délire? Pourquoi tu l'as mise dans la baleine numéro 4? Tu lui as bouché le nez. Tiens, tu vois? Que je te dis que les huîtres, ça fait des super ricochets. Quand je pense que j'ai fait confiance à un mollusque, j'aurais jamais dû la lâcher, cette perle. Avec ça, je fais au moins 1000 ricochets. Très intéressant. Mais enfin, mais puisque je vous dis que c'est une vraie, allez! C'est ça, je vous donne 10 dollars. Elle en vaut 600. 11 et tu te tires, tu dégages. Mais vous rigolez! Allez, quoi, un petit effort! Donny, Giannini, ligotez-moi cette grosse moule. Ah bah, Macron! Et vulgaire avec ça. Où tu vas avec ce truc? J'ai pas besoin de ce lampadaire ringard dans ma salle télé. Merci, ça fait toujours plaisir. Je te rappelle que c'est le mien en plus. Ouais, forcément. Il sera bien mieux ici. Tu remets le lampadaire où tu l'as trouvé, à l'hôtel. Eh, tu fais quoi? Je fabrique une nouvelle machine qui transportera le fromage directement de la cale jusqu'à mon lit à l'autre bout du navire. Maintenant, sois gentil, remets cette lampe où tu l'as prise. Et ça, c'est quoi? Comme c'est intéressant. Ouais, encore une lampe que j'ai récupérée n'importe quoi. C'est exactement ce qu'il me faut pour ma salle télé. Tu reposes tout de suite. Il suffit d'enlever un peu la poussière. Hé, hey, tu te sers pas de mon super pull. Et voilà, elle est comme neuve. Quoi? Les plafonds bas. Où suis-je? Qui ose interrompre ma sieste? C'est toi? Ou c'est ton petit copain? Ça peut être que l'un de vous. Comment il est balèze! À mon avis, c'est un génie, hein? Ah, j'ai l'impression d'être tombé sur une lumière. Non, t'es sûr, hein? Je pense que c'est un génie. Bon, puisqu'il faut y aller, allons-y. Vous avez droit à 3 vœux, c'est la tradition. Cela dit, étant donné que vous êtes 2, vous avez droit à 1 vœu chacun. Plus un vœu que vous aurez à décider entre vous. Qui veut commencer? Moi. Alors, je fais le vœu de... Moi, je fais le vœu d'avoir 100 lampes comme celle-là. Désolé, mais ce vœu est en infraction avec le code des vœux des génies. Bon, alors je fais le vœu d'avoir 100 vœux. Très
Très bien, alors s'il te plaît, 50 vœux, s'il te plaît. 25, 12 vœux et demi. Un seul. Je t'écoute, quel est le tien? Moi, ce serait d'attirer le fromage, d'être comme un aimant. Comme ça, je pourrais rester au lit, j'aurais qu'à attendre que le fromage il arrive vers moi. Ah bah, dis donc, t'as l'air vicieux, toi. Parfait! Il en sera donc ainsi, puisque tu le demandes. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai l'impression que je suis en train d'attirer du fromage. Banana! Rasmo, le super aimant à fromage, il est là, c'est moi. Ah, c'est un peu original. Tu vas sentir bon, toi, te voilà exaucé. Ça y est, je sais ce que je veux. Je t'écoute. Alors moi, mon vœu, c'est qu'est-ce que tout ce que je touche, c'est que c'est du fromage. Il me semble que vous n'avez pas la lumière à tous les étages. Qu'il en soit ainsi, puisque tu le demandes. Se transforme sur le champ en fromage. Sur le champ, j'ai dit que ce lampadaire ringard se transforme en fromage. Si c'est pas trop demandé. Eh, ça marche pas, je te signale. Ouais, t'as pas inventé la courbure de la banane, toi. Il te faut toucher du doigt la chose que tu veux changer. Ouais, je le savais. Hein. Ça, c'est du cheddar. C'est parfait. Je vais m'en mettre jusque là. Voyons voir. Arrête de manger mes outils, hein. Hey, tu me rends tous mes outils que t'as mangés, tu les recraches. Hey, j'avais jamais remarqué, t'as une mèche blonde sur l'œil gauche. Va-t'en, dégage, recule, dégage, dégage, va-t'en, s'il te plaît. Méfie-toi, ton pouvoir est grand. Tout ce que tu toucheras sera changé en fromage. Bon, ben moi, j'ai des trucs à faire. Rapido, tu reviens ici tout de suite, il faut qu'on parle. Mais j'ai pas envie de te parler, j'ai envie de te faire des cadeaux. Tiens, c'est le plus gros que j'ai. Génie, je veux plus être un aimant à fromage. Tu as voulu ce pouvoir, tu l'as, tu le gardes. On peut pas négocier. Alors ça te va, t'en veux encore plus? Voilà, la force. Ouais, je suis devenu fromage man. Il vous reste le troisième vœu à faire ensemble. Je peux très bien le faire pour nous deux. Non, je crains que non. Ce serait en infraction avec le code général d'éthique des génies. Le CG... Article 23, alinéa 7. Je suis surpris que tu puisses faire une telle suggestion. Cela dit, j'oubliais que t'es un rat. Raciste! Tu sais ce qu'il dit, le rat? Bon, là, j'arrête. Je vais aller me faire un petit tour de rat de bord parce que là, j'en ai marre. Bon, ben, voilà une autre paire. Et question de pilotage, tout est dans le doigté. Eh non, je vais le faire avec les pieds, c'est mieux. Aucun problème, ça passe. Il faut se débarrasser de nos super pouvoirs. C'est beaucoup trop dangereux. La vie, elle était quand même nettement mieux avant, non? Tu ferais bien de réparer ma rat-board et en vitesse. Non, pas tant que t'auras pas renoncé à tes pouvoirs. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette pomme? Très marrant, je suis mort de rire. C'est un blindage antimagnétique. Avec ça sur la tête, j'attire plus le fromage. Tu vois, le pile de fromage à côté, ben, elle a pas bougé. Ah, t'as vu, il y a un verre dans la pomme. Non, s'il te plaît, non, touche pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 non. Mais t'es fou ou quoi? T'es hyper dangereux, là, t'aurais pu me tuer. Tu vas réparer ma rat-board et je te conseille de faire vite.
Parce que sinon... Sinon... Ah non, je suis trop bas, en fait, je suis trop bas. Je vais pouvoir faire... Ouais! Eh, monsieur? Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il vaudrait mieux que tu m'aies pas réveillé pour rien. Moi et mon ami, finalement, on a réfléchi et on voudrait comme avant. Ah oui, c'est vrai, je vous dois un dernier vœu, je me souviens. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que tu veux, l'intello? Il s'agit du troisième vœu, hein, le dernier. Tu te rends compte que ton petit copain là, en deux bouchées, tu l'as va laisser régler. Plus de partage, tu fais le dernier vœu tout seul. Et entre nous, si tu veux mon avis de génie, fais le choix qui à la fois t'avantage et te nourrit. C'est mon pote, je pourrais jamais lui faire ça. Tu aurais dû y songer avant de le transformer en fromage. C'est toi qui en as fait ce qu'il est. Alors étouffe-toi avec, parce que moi je retourne me coucher. Oui, bah une seconde. Et qu'est-ce que t'en dirais si je me faisais un génie au fromage? Et oui, j'ai mon doigt qui marche toujours. Oh, quelle ingratitude avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ah, tu me déçois beaucoup, tu sais. Mais puisque tu le veux, que tout redevienne comme avant. Ah, il sera beaucoup mieux ici. Remets ce lampadaire où tu l'as trouvé. Eh, qu'est-ce que tu fais? Je fabrique une nouvelle machine qui transportera le fromage directement de la cale jusqu'à mon lit, à l'autre bout du navire. Maintenant, sois gentil, tu remets cette lampe là où tu l'as prise. Oh, et ça, là? Mais qu'est-ce que c'est intéressant? Ouais, je sais, c'est la lampe intéressante violette. C'est vraiment des tarés. Trois vœux à deux, c'est pourtant pas sorcier. Oh, il faut que je m'en aille. Oh, vite, vite. Oh, mais c'est de toute beauté. Mais regarde-moi ça. Mais c'est magnifique, c'est un paysage, mais des palmiers sauvages. Oh, regarde, oh, comment... Des mouettes, comment c'est beau. Quelle majesté, quelle grâce, un bec jaune. Oh, comment elle est mignonne, la tortue sur la plage, elle est toute verte. Oh non, elle est trop, vraiment trop rigolote avec sa maison sur son dos. Oh non! La tortue se fait attaquer par une méchante mouette, laisse-la! Les sales mouettes! Cette pauvre tortue, elle leur a rien fait! Rapido! Amène-toi! Faut me donner un coup de main! Hé, hey, écoute ça! Mick Jagger s'est fait des implants capillaires. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Et si je me faisais des implants moustachés? Regarde ce que ces sales mouettes vont subir à cette pauvre tortue sans défense! C'est intolérable! Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est un travail pour un héros comme toi! Très bien, allons sauver cette grosse moule! Ouais, sauf que c'est pas une moule, c'est une tortue! Thank you.
relais, c'est dur, hein. La tortue. Et ça fait 2 ans que je sens plus rien. Je suis une bête. Comment je leur ai mis au moins 2 kilomètres au dinde? Bien, je suis fier de toi. Je vous en resserre une tasse, Rosie? Hein? Comme il est mignon, comme il a l'air gentil, ce petit rat. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est Roselyne, une tortue qui vit dans le coin. Celle que t'as sauvée des griffes des méchantes mouettes qui l'avaient attaquée. Ah, ah, elle m'a bravé dessus! Dégage, me touche pas, dégage! Arrête, arrête, c'est même pas touché! Ah, je me sens pas bien, j'ai mal au cou. Ouais, comme par hasard, va vomir dehors! Oh la pauvre, c'est vrai qu'elle est toute verte. Vous devriez vous allonger sur le canapé, je pense. Trop tard, c'est pris! C'est pas très très gentil, rapido! De l'eau, je veux de l'eau! Pas de problème, suivez-moi, ma chérie. Allez hop, tout le monde dehors, c'est mon tour! Regarde, elle est en train d'accomplir je ne sais quel rituel mystérieux. Oh la coquine, elle se ferait pas un petit nid d'ouïa comme par hasard? Du sable. Du sable? Il y en a plein la plage, du sable. Alors t'as qu'à y retourner chercher ton sable. Rapido, c'est pas une façon de traiter une invitée verte. Surtout si cette invitée est un peu malade. Fiche-lui la paix. Tout de suite, Roselyne, je vais vous en ramener, ma chérie. Oh, la honte, tu devras aller t'enterrer quelque part. Alors, tu creuses ta tombe? Dégage! Et je te conseille de laisser la tortue tranquille du pige. Je m'en fiche d'elle, elle m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ses œufs. Les œufs? Quels œufs? Rosie est enceinte, mais de qui? Oui, de mon petit déjeuner. Vite! J'en prendrai une douzaine! Dégage, sale bête jaune! Roselyne! Pourquoi vous m'avez pas dit? Encore un petit effort, allez! Tu y es presque! Rapido! Tu arrêtes! Roselyne, attendez, petit! Va-t'en, on a besoin d'intimité! Vous allez avoir tout un tas de petits bébés! C'est fantastique! Vous inquiétez pas, ça fait pas mal. C'est pour voir si vos bébés vont bien. Ils ont l'air en pleine forme, on dirait. Oh là là, tu joues encore à Pong, mais c'est un jeu vieux comme toi. C'est pas un jeu vidéo que tu regardes, Rapido. C'est la vie en direct. La quoi? C'est des œufs pleins d'œufs qui deviendront des jolies tortues. Ouais, bah si ça continue, elle va plutôt exploser, hein. Oh, ça vient! Ça vient! Je dois respecter la tradition. Il faut que j'aille pondre sur la plage. Dépêche, dépêche. Creuse, 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 dépêche. Vite, ça vient. Dépêche. Installez-vous, maintenant c'est à vous de jouer. Allez, toi tu viens, j'ai une intimité à préserver, dehors. Oh, désolé, excusez-moi. Oh là là, qu'est-ce que je peux être nul en la route. Tu vas voir que maintenant elle va se transformer en Hulk. Écoute cette musique. C'est magique. C'est le miracle de la vie. Aïe. Oh, ils sont si petits, si fragiles. Oups. Aïe. Hey, oh, tu touches pas les affaires. Lui, quand il bouche les trous, il bouche les trous. Oui, mais après les trous, faut qu'il aille à la cuisine. T'as faim, toi? Mais moi, je veux bien essayer. Maintenant que j'ai de la place. Waouh! La médaille officielle des parrains des bébés tortues verts. Ouais, c'est pas tout ça, il faut que j'y aille. Je suis garé en double fil. Allez, veille bien sur mes petits! Faut toujours que tu te fasses avoir. Ah, il est jaloux, la honte. Grotesque. Ah, le pique-nique! Mais tu l'as laissé en plein soleil! Mais qu'est-ce que t'es nul, hein! Bon, bah d'accord, va pour une fondue. Tu peux m'en apporter un peu?
genoux, tranquille. Sauvage, va voir ailleurs si j'y suis. Ah, hé, Rougeur. Si on se faisait une petite bouffe tous les deux, hein, rien que toi et moi. Une méga omelette au fromage. Une omelette au fromage? Mais c'est que c'est pas bête, Inouette, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que ça tourne par an là-dedans. Je suis parent officiel, je te rappelle. Trouve un moyen aussi, toi, que je bouffe. Ah, ça y est, ils sortent. Pour l'omelette, je crois que c'est râpé. T'inquiète, les cuisses de tortue, c'est aphrodisiaque. Dans mes bras, mon grand, viens. Dégage, dégage. Tu touches pas à mes neveux, t'as compris? Sinon tu vas le regretter, regarde ça. Ok, ok, t'énerve pas. Tu veux manger les roses? Mange les roses. Et moi je bouffe les bleus. C'est ma couleur préférée. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi? Et la fondue alors, je la laisse brûler? Mais il est malade, ce mec. Vite, vite, faut les mettre à l'abri. Hey, comment elle est mignonne, celle-là. Espèce de pique-assiette. T'as aucune chance, je suis le meilleur. Hein? Oh, je vais m'en mettre jusque-là. Non, pas par là. C'est rapide, non, là. Ouais. Repose-les tout de suite. Non, attends. Mais qui s'est enfui? Oh, partez prendre. On a gagné. Qui c'est le plus fort? Évidemment, c'est les rats. On a des bons rats et aussi on... Oh non, ma rat de bord est bousillée. Bon, oh, allez, viens, Rasmo, on rentre. Super, Rasmo fait de la fondue. Douillet, mais c'est rien, c'est juste un mauvais moment à passer. Il y a de l'effume dans la fondue. Rapido, rends-moi ça. Mais t'es devenu fou quoi, mais n'importe quoi, tu manges n'importe quoi. T'inquiète pas, Roger, c'est bon, hein. Je vais te faire un petit costume en plume, sur mesure, en attendant que les tiennes repoussent. Eh, c'est ma serviette. Ah oui? Et quoi, tu sais que t'as bouffé les plumes de mon croupion? Oh, ça va, le poulet, les mouettes, c'est pareil. Puis t'as déjà mangé pire, hein, rappelle-toi.